Épisode 7, enfin 6, l'échec de Talon. Alors que la France et l'Angleterre avaient perdu les combats en Russie, la Russie, enfin en Belgique, l'Allemagne avance jusqu'à la Marne. Les Russes envoient donc une ultime attaque sur la ville de Talonberg en Russie. Et bonjour à tous! On se retrouve dans le front de Talonberg. Aujourd'hui on va parler du front de Talonberg, justement, qui est un front très très court qui a duré 4 jours, même si c'est trop court. Mais voilà. J'espère que cette petite intro, pas comme les autres, sera cool. Alors c'est une intro que je viens d'écrire en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui change d'habitude? On a fait pas mal de choses pour le coup, mais j'avais trop nouveau. Vraiment on a réussi. Donc voilà. Là on arrive à faire une victoire, c'est-à-dire Talonberg. Enfin, non. Donc Talonberg, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit, c'est une vue qui se trouve dans la Prusse orientale. En fait, cette ville... bon, comme vous le savez, comme dans l'épisode, je l'ai dit, l'armée anglaise et française, qui sont l'allié des Russes, se font littéralement massacrer contre l'armée allemande. Le seul dernier moyen d'épauler la France et l'Angleterre qui sont dans un dur travail de combat, c'est d'attaquer, littéralement. Donc ils proposent une attaque, ils proposent d'attaquer de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire la Prusse orientale, qui est le plus près de chez eux. Ils décident donc d'attaquer la Prusse orientale et comme moyen, ils ont une ville Talonberg. C'est leur objectif. Leur but, c'est Talonberg. Et bah voilà, c'est une ville de Prusse orientale, donc c'est pas très loin. Et leur but, c'est ça. C'est Talonberg. Voilà, ils savent très bien que si Talonberg tombe, en gros, c'est la fin pour l'Allemagne. C'est pas forcément vrai, mais enfin, du moins l'Allemagne aura moins de chance. Ils se disent, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont à Talonberg avec 400 000 hommes et leur but c'est de prendre la ville le plus rapidement possible. Normal. En même temps, ça permet de soulager le front français.
Donc ils attaquent le 26 août l'arme allemande avec Danemark, ils quittent la frontière, ils attaquent l'arme allemande. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà attaqué, mais en tout cas, homme qui fait lancer la guerre. Pour ce faire, ils disposent donc de 400 000 hommes et ils attaquent. Il y a une technique qui sera appelée le rouleau compresseur russe, parce qu'en fait, l'armée russe va se décomposer en deux bataillons. Le bataillon de je sais plus quel général, hein, un autre bataillon. Les deux bataillons seront trop loin pour se défendre, le reste sera pour s'aider. Les deux bataillons seront constitués de 200 000 hommes chacun, c'est pas normal, hein, vu que chacun égaux en hommes. Oh, lui m'a eu. Donc ils sont égaux en hommes et leur but c'est d'attaquer. D'attaquer donc l'Allemagne. Enfin, plutôt déjà attaquer l'Allemagne. C'est plus d'attaquer l'Allemagne, c'est en position allemande, en position allemande. Par leurs deux armées en deux et ils attaquent. Pour ce faire, donc il y a. Voilà quoi. Ils font ça. Avec leurs cavaliers, leur artillerie. L'armée allemande est très surprise et elle se fait très vite abattre et repoussée par l'armée. Donc cette grande armée qui est l'armée. Voilà. Mais l'armée allemande a plus ou moins que l'armée russe. Hein. Enfin. Donc la Russie n'est pas le même pays que l'Allemagne à l'époque, plus ou moins. Donc du coup, l'armée... L'armée allemande s'il faut avoir détruire littéralement parlant, même plus de droit, ils se font atomiser, ils se font pulvériser, ils savent plus quoi faire, en vrai sérieux quoi, mais c'est vrai ils ont une défaite qui est proche. Et là, Guillaume II demande à Ludendorff et Hindenburg de s'en occuper. Donc deux généraux. Et le général Ludendorff va utiliser un Zeppelin pour survoler les positions russes. Il remarquera, très important, il remarquera que les positions russes sont que les deux armées russes sont trop loin pour s'être utiles et qui sont composées de 200 000 hommes sur deux. L'armée allemande est elle-même à l'heure actuelle de 200 000 hommes. Ce qui fait que ils peuvent pas, enfin ils peuvent agir. L'armée est en moyen. Ludendorff remarque ça. Il remarque, voilà, il sait que c'est trop lent pour céder. Il sait aussi lui, il a une armée composée de 200 000 hommes, il sait que le besoin d'un armée ennemie, c'est 200 000 hommes. Il sait tout ce qu'il a besoin de savoir et il se prépare à pouvoir donner l'assaut. Ce sont pas. Assure, les hommes. Très très vite, donc, l'Allemagne riposte, attaque le premier bataillon russe. De 200 grammes et la Russie se fait ensuite le deuxième bataillon du passe assez rapidement d'ailleurs. Voilà, l'armée allemande, l'armée russe, normalement, apparemment. Donc voilà. Donc un exemple de la victoire d'Allemagne encore. Alors cette bataille n'a jamais été trop
parler. N'a jamais, enfin pour le moment, cette bataille, c'est une bataille dont l'histoire est inconnue en fait. Enfin, il voulait pas qu'on sache qu'il était en train de perdre. Mais là, il y a autre chose. Il y a autre chose. Enfin, le joyeux, donc Hindenburg et Ludendorff deviennent des généraux très connus en Allemagne. Ils deviennent des miracles. On dit qu'ils sont porteurs de miracles et alors dans la guerre plus tard ils feront d'autres choses hein, si je me trompe pas. Donc, je crois que l'un des deux va compléter les proches la fin de la guerre. Peut-être Hindenburg. Enfin, en tout cas Hindenburg est récompensé pour tout le succès et pas Ludendorff. Pourtant c'est Ludendorff qui a trouvé la stratégie et se fera encore récompenser maréchal. Donc on l'appelle pas plus Hindenburg mais général von. Le général continue. Voilà, voilà. Donc maintenant vous savez. Donc bref, sur cette grande bataille qui était à l'Alembert, donc la ville est restée allemande à la fin de ces jours de combat. C'est déjà quand même 4 jours. Hein. Des milliers de la rue sont morts là-bas et voilà. Bataille qui est une fois la victoire. C'est au centre de l'armée allemande. Voilà, voilà, donc maintenant on va parler pour votre point. Tu es un peu hein, cet épisode de cette guerre qui est un tas de merde. Le rythme des vidéos de demain va risquer de peut-être plus de 1 par semaine, donc quand même, vous pouvez peut-être remarquer un petit jeu. Verdun, je ne sais pas si c'est pas le pourquoi car Verdun est. J'estime Verdun. C'est quand même. Oh, mais tu veux lui. Donc, voilà, Verdun est. C'est aussi un jeu où je peux me détendre et vous parler de choses que j'aime, l'histoire. On va fixer ça un petit peu. Est-ce que je vous explique le petit truc? Si vous voulez. Je vais juste quand même savoir si c'est une guerre. Il n'a pas été une petite guerre quand même. Mais il y a des millions d'or donc. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à savoir. J'aurais pas assez dit. Demandez-moi parce que peut-être que il y a sur des détails qui peuvent être importants et tout. Je m'amuse à parler de détails parce que je trouve ça classe. Voilà. Bon bah je vais faire un petit récupératif de tout ça, même si vous avez compris. Très vite fait. Je ferai juste à la fin de l'épisode. Dans les. Je sais pas dans le champ de la flanque. Vraiment bien. Au Canada, il y a fond beaucoup d'hommes. Durant les deux guerres mondiales. Et la France est plus chère que les deux guerres mondiales. Que c'est pas parce qu'on a perdu la deuxième guerre mondiale et qu'on s'est mis à collaborer. Que la France n'a pas coûté très cher, c'était occupé. Et qu'il s'est occupé de. On peut penser ce qu'on veut, que Pétain et le gouvernement français.
allemand que oui, on a perdu la guerre, notre armée s'est fait battre, mais voilà, c'est pas parce qu'une armée se fait battre qu'il faut payer. C'est arrivé après 4 ans de guerre, enfin non, ils sont arrivés en 41, c'est vrai. 41, ils sont en grande guerre, après. Pendant la guerre en 41, ils ont pas fait de guerre. L'armée allemande a toujours fait de guerre derrière elle, déjà. C'est très facile de. Voilà, de voir derrière. Je vais parler aussi de. Voilà. Mais oubliez quand même. Français, même d'allemand, de russe, il n'y a pas trop posé sur la main des américains, même si voilà, tous les américains ils sont morts, pas la Russie qui avait abandonné, mais pas des peuples comme l'arabe et tout ce qui s'en suit, faire monter les Grecs ou tout ça. On participe à cette guerre, personne ne perd, on a fait beaucoup les Américains sont arrivés en 1917. On va trouver un peu après, et donc ils ont bien monté. Donc du coup ils ont fait ce qu'ils ont fait, hein. Il n'y a pas de rien à dire. Voilà, donc part que voilà quand même faut pas voir donc la France, enfin ouais, c'était pas cool, on a perdu, on a collaboré, on s'est fait exploser la gueule au début des combats, mais faut pas oublier aussi que on était surpris, on partait sur la Belgique, on s'est fait avoir par quelque chose qui paraissait impossible. L'armée anglaise aussi s'est fait surprendre, pourtant on parle des anglais, mais on dit rien. Sauf que l'armée française, l'armée anglaise, c'est pas la même chose. L'armée française s'est fait démonter à Dunkerque. Et oui, elle a fui, elle a fui. Voilà pourquoi elle a fui. Du coup, elle est mieux de fuir que de mourir. Je vais perdre 1000 soldats ou 2000 soldats. Voilà, donc oui, c'était un fiasco aussi la Deuxième Guerre mondiale de notre côté, vu que l'Ardenne, bah, les Ardennes ont été traversées. Encore une fois, on défendait la Belgique et on s'est fait avoir. L'Ardenne traversée, il y a eu un max de morts derrière. Mais voilà. Enfin, on n'a pas gagné la guerre, donc du coup, ça a pris un peu comme un jeu proche. Enfin, personne nous l'a reproché, hein, à part par le avoir fait grand chose, mais on a quand même été très important dans l'Afrique du Nord où on gagnait. On a été les dernières colonies, nos dernières colonies, on a été les dernières pour parler. Oui, on était les dernières colonies. Oh merde, on était les dernières colonies à se défendre en Europe. Donc du coup donc du coup c'est vraiment la chance avec la chance de cette guerre. Tiens, surtout à dire que voilà, tous ceux qui sont morts pour la France pour d'autres choses, voilà, ils ont pas mérité ça, et donc ils sont morts pour leurs idéaux, pour leur objectif commun. Merde, je tire comme ça, putain, c'est pas j'ai un peu mis pour gagner. Et donc même si on n'est pas content, la France a perdu pour telle ou telle raison, on doit avouer qu'il y a eu des progrès effectués. Voilà. C'est ce que j'avais dit.
Voilà, donc on va bientôt se laisser pour cette fin d'épisode. Je tenais à rappeler les trucs de Tannenmer, on aura parlé de aucun de ces choix, que ce soit les deux guerres mondiales ou... Enfin, vous avez le droit de penser ce que vous voulez dans les mondes qui s'est passé, hein. Je ne veux pas vous influencer. Ouais, je vais en parler un jour. Je veux pas vous influencer, mais voilà, il y a des choses qu'il faut savoir. Par exemple, ça peut être facile pour un raton. S'attendent pas. Et nous, on les a en battu. Voilà, d'accord. Mais bon, alors on va s'arrêter pour cette fin d'épisode là. C'est un bug. Donc rappelez-vous que l'armée russe a perdu avec 400 000 hommes à Tannenberg par l'armée allemande grâce à une technique via Zeppelin de Ludendorff qui a permis à l'armée allemande de gagner. Raviver l'esprit allemand et bah voilà quoi. Et donc ça concerne ainsi 14. Pourtant on est toujours dans les guerres de 14. Bon, on se lève pour on va encore faire un petit kill. N'oubliez pas, au pire là je vais faire un petit set, ça sera rapide, je vais pas augmenter comme tout à l'heure, donc je cherche mon dernier allemand. L'Allemagne se trouve. Voilà, lui il est mort. Donc on se laisse, allez, ciao ciao. Bye.